Salut, salut tout le monde, de retour sur Ori and the Blind Forest. On s'en était arrêté au Bois Brumeux, me semble-t-il, où on avait retrouvé la loupiote je ne sais plus comment, pour régénérer la. Pour, pardon, dissiper le. Ok, il va falloir savoir comment l'utiliser. Donc on avait retrouvé la loupiote de je ne sais plus comment pour aller chercher sauter, ça marche aussi. Pour aller dissiper l'illusion qui entoure les bois brumeux, pardon. Et donc on va continuer et puis essayer de trouver un peu une solution à cette étrange situation. On va se remettre un petit peu dans le rythme, ça nous change un peu de Baldur's Gate, hein, tout ça. C'est bon, on est assez long pour le saut. Hop. En espérant bien sûr être sur le bon chemin, ce qui n'est pas encore garanti. Alors, un instant, je vous prie. C'est bon. Ah bah voilà. Nous voilà à l'hôtel dans lequel nous pourrons déposer la lumière. La lanterne voilée et la brume s'est dissipée. Ori, le sceau des Gumons s'est révélé à nous. C'est la clé des ruines éplorées. Ah, ok. J'ai trouvé le sceau des Gumons. Sers-toi de cette clé pour pénétrer dans les ruines éplorées. Est-ce que ça qu'on peut aller? L'élément des vents repose dans les profondeurs des ruines éplorées, au sud d'ici. Ce n'est pas loin et je peux t'indiquer le chemin. Très bien. Allez, on y va. En route pour l'aventure. On a visité une bonne partie, voire toute la zone. Une espèce de truc là-bas qui me semble un peu clair, mais. Ça doit être juste l'éclairage de la zone. Donc on va ressortir. On va ressortir et ça va être vers le bas. Alors. Alors on va se rappeler un petit peu les contrôles, hein. C'est ça, le stomp, c'est comme ça. On va se méfier du corbeau qui est un peu là en déco. Voilà. Ah, il va nous gaver un petit peu. Hein. Ça n'a pas un passage alternatif? Non. On va y aller les uns après les autres, sinon on n'a pas fini. Même comme ça, c'est pas gagné. Pas attentif, pas attentif. Pas de point de vue. Des fleurs à la fin de son pattern à chaque fois, ce qui suffit à une tuer.
Il a pas chargé vers le bas. Là, c'est juste vers le bas, c'est pas besoin de faire B. On a plus les contrôles. Hein. Il y avait quasiment plus rien à faire. C'est évident qu'on avait crevé sur un contact. Oh non, c'était bon là. Bon, c'est de rusher à travers, mais on va pas se prendre le crabe. Descendre. J'espère que oui. Oui. La partie du peuple. On peut tirer à travers la plateforme, c'est embêtant ça.
évidemment seulement 2 points de vie, c'est pas la fête. Easy. Ok. Je pense que les corbeaux vont un peu nous embêter. Encore que. Il y a rien à gauche. Si, il y a un passage à gauche qu'on peut essayer d'atteindre. Tout d'un coup, bravo. Je vais tirer, garçon. Ok. Je pense que le jeu essaie de me faire passer un message en mettant un petit verre d'ici. Enfin, un point d'énergie. On a un fringant de carte ici. On va gérer ça avec le mec qui roule. Voilà. Alors. Par ici, nous avons. Un tourette, mais j'ai pas trop ce que c'est. Comment est-ce qu'on pourrait franchir ça? On verra ça après. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de points de vie, donc ça sert à rien de tenter le diable. Et la bonne une grosse sphère, c'est un point de compétence puissante. On peut aussi se débarrasser de la porte avec le gros lourdeau qui roule. Allons-y. On a un peu tué par accident. Un petit peu plus délicat avec le monsieur en armure. Pas comme ça par exemple. Ok, en utilisant la feuille, on peut timer un petit peu mieux notre passage. Ça devrait
va nous permettre de nous débarrasser de cette situation gênante. Allez, je suis... Jusqu'ici, tout va bien. Il va falloir anticiper pour pouvoir le balancer dans le mur. Ok, donc une bonne phase d'anticipation à avoir. Voilà. Là, avec la feuille, on devrait tout passer. Voilà. Ok, du coup on accède à la carte, c'est très bien. Très bien, et ben Vallée des Vents, on est au bon endroit, c'est déjà bien. Et on n'a pas grand chose d'autre comme repère pour l'instant. On n'a toujours pas possibilité de sauvegarder, c'est un petit peu embêtant ça. On va essayer d'être un peu plus prudent avec l'araignée que tout à l'heure. Tu veux dire que c'est un passage, certainement. Un point de vie, on n'y croyait plus. Ok, donc c'est assez méchant. Petit grognement qui n'a pas l'air fort sympathique. D'accord, il y a un monstre comme ça en dessous. Par ici, ça a l'air plutôt calme. Oh non, bah non. Le problème avec le stomp, le stick analogique, est pas super réactif sur le truc. Faut bien revenir en position neutre à chaque fois, c'est un peu chiant. Voilà. Très bien. Et on va refaire le passage qu'on a raté tout à l'heure. Dommage, on l'avait à peu près bien négocié. J'aimerais bien pouvoir trouver de quoi sauvegarder. Parce que ça fait quelques temps qu'on traîne avec ça. Il n'est pas plus de problème.
Ici c'est bon. Ici qu'est-ce qu'on a? On a un blocage. Tomber en dessous c'est parfait. Ok, il va falloir utiliser l'autre pour se propulser vers le levier du haut. Toujours en quête d'un point de sauvegarde, hein. Enfin en tout cas d'énergie pour pouvoir sauvegarder, parce que là ça fait un peu de temps pour... Non, il aura popé l'air, mais... Allez. Dommage, hein, le jeu est bien, mais le mode difficile est bien punitif. Hein. C'est de la mauvaise foi, le jeu est très bien, c'est juste que je suis pas doué pour la plateforme. Aller jusqu'au bout de son monde. Comment pouvez-vous profiter de l'excellente musique? Très sympathique.
presque Indiana Jones dans ce passage, devoir échapper au rouleau qui arrive. Excusez-moi. Toujours des problèmes de respiration. Un peu embêtant. Ouais, donc en effet, elle finit bien par recracher une deuxième fois, même quand elle est proche. Les zones d'impact sont pas claires quand même. Tous les ennemis font des splash damage, c'est un petit peu. Chiant. On a mis one mufo à le passer cette fois-ci, c'est pas mal. Ok, et on va pouvoir poursuivre notre chemin cette fois-ci. Trop lent. J'espère que pour vous ça va. On va essayer de voir ça. On a perdu 180 frames depuis le début, c'est pas dramatique. Hein. Mais ça peut être un peu chiant quand même. Donc pour un jeu dont le gros attrait c'est les graphismes, perdre un peu de cette fluidité c'est un peu embêtant. Un gros problème d'avoir un truc qui tourne en tâche de fond. Je suis désolé pour la pause, on va essayer de voir ce qui se passe. Windows ne doit pas faire des siennes. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gros? Firefox est complètement en train de péter un câble. Très bien, tant pis. Ça devrait être mieux. Ça aussi c'était pas mal. D'abord on avait un gros qui roule là. On le sent, voilà. Ah putain! Les contrôles du stomp sont vraiment un peu chiants. Du coup on va passer une demi-heure sur ce passage. Ça va être bien chiant. Heureusement qu'il y a des épisodes trépidants de Baldur's Gate de temps en temps pour vous rattraper, hein. À force, on va connaître par cœur cet endroit.
Bobo la bébite. Un respawn débile. Oh non, mais comment? Je viens de l'attaquer. Je suis d'une patience à toute épreuve. Je suis prêt à passer 50 fois ce passage s'il le faut. Et si c'est pas déjà le cas. Il y a quelque chose pour ouvrir à cet endroit là. Je ne vois pas quoi. Un temps de KO en fait avec l'attaque par la base, c'est un petit peu pas possible. Ils peuvent tout de suite contre-attaquer donc si vous êtes au-dessus, ça peut faire très très mal très vite. Bon, on en revient pour la 14e fois consécutive à ce passage. Pas attaquer pour le saut, ça ne mène à rien.
à travers le bois. Une sauvegarde. Alors d'abord, on a des choses à explorer ici. Ok, des pics, j'ai pas vu. Total au niveau des réceptions de projectiles. Hein. Il y a un autre pour après là. Et de l'XP. Et ben on va remonter. Voilà. Et on va dépenser notre point d'XP. Si on peut. Les bonus de vitalité récupérés ou 3 2 fois plus de vitalité, c'est pas mal. Ça, j'ai pas encore assez. Et ça, j'ai pas encore assez non plus. On va prendre ça évidemment. On va avancer un petit peu dans notre arbre de compétences. C'est ici que vivent les Gumons. Ils bâtissent d'incroyables structures et les imprègnent de la lumière de l'arbre aux esprits afin de les protéger. Oh non! Ces Gumons ont été pris dans la glace et n'ont pas pu s'enfuir. Lorsque l'élément des vents a perdu sa lumière, ces ruines sont devenues leur tombeau. Alors, on va vérifier parce que j'ai encore eu des petits problèmes de... lag... Décidément, on a le problème aujourd'hui. Rien qui a l'air de vouloir devoir tourner, c'est pas grave. Si jamais c'était trop dégueulasse. Ok, donc ça, ça pique, ça fait bobo. Ça, ça fait très très bobo. Les Gumons étaient d'ingénieux inventeurs. Ils anticipaient un avenir prometteur qui n'arriva jamais. Tu vois ce brasier de lumière spirituelle? Ils les utilisaient pour préserver la lumière de l'arbre aux esprits. Puisqu'on en avait rencontré une qui nous avait déjà tué. Ok,
falloir un petit peu faire attention avec les sauts. Sans quoi, on va vite crever. Allez, justement, je le dise pour que ça se passe mal. Hop. Du coup, si je le lâche, je retombe. Ok. Très bien. On est reparti dans l'autre sens. On va explorer un petit peu l'arbre des glumeaux. Inverser quand on est au plafond, hein. Là si je fais à gauche, je vais à droite. Ok. Alors. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous avez vu que j'étais un génie de la plateforme. C'est que comme ils sont au plafond, leur projectile retombe. Et lui en bas, il va un petit peu m'attendre à l'atterrissage. C'est bien ce qui me semblait. Chaque donjon a son petit gimmick un petit peu sympa, les téléporteurs dans le premier, l'inversion de gravité dans celui-là. C'est pas à voir du coup ce que nous réservent les suivants. Trop d'impatience. Allumer la lumière parce que je ne vois plus ce que je fais. C'est mieux. En tout cas, pour le téléphone. Passage par là. Ah,
passé. Ah si, c'est la bonne. Sauf évidemment au niveau du saut. J'ai bien lâché notre sphère pour pouvoir repousser les tirs. Ça paraît logique. Changement de gravité assez perturbant. On va s'y faire. Sont bien millimétrés. Bravo Gogolito. Pas le double saut. On va éviter de faire le Kekos, on va faire en deux temps, on va attendre le retour de la plateforme. Ce qui ne nous empêchera pas probablement de. Oh, plaisir de tomber en épique, mais je finis mes 10 ans avec moi-même. Nous sert à bien. Ok. Est-ce que là-bas, on se regarde pour l'utiliser. Ok.
le grand bibic qui dépasse. Pour faire un petit break, YouTube, je te dis à plus tard, et puis Twitch, rester en ligne. On se retrouve dans quelques minutes. Salut! Salut à tous!